C'est une jument de 7 ans qui présente des coliques récidivantes et sa vétérinaire, qui nous a référé le cas, a diagnostiqué un entrapement néphrosplénique, c'est-à-dire un déplacement du côlon gauche, entre la rate et le rein, le côlon venant ensuite se bloquer dans le V formé par l'espace néphrosplénique, rein-rate. Et le but est de fermer cet espace pour que le côlon ne puisse plus s'imbriquer là-dedans et donc rester bloqué et causer de l'amaigrissement et des coliques récurrentes et chroniques chez cette jument. Ce qui a été intéressant ce matin, c'est que quand on a fait l'échographie préopératoire de la jument, on s'est aperçu que l'ovaire gauche avait l'air pathologique. Et donc là, la laparoscopie ou célioscopie, donc aller avec une caméra à l'intérieur de l'abdomen, va nous permettre et d'un, de fermer notre espace néphrosplénique, et de deux, de visualiser cet ovaire en direct pour voir s'il est normal ou anormal. Sachant que la jument a pris cette année, mais qu'elle a avorté au bout de 60 jours. On vient de rentrer dans l'abdomen, on a vu le côlon ici, et on voit notre ovaire, du coup, gauche, qui nous vraiment saute à la figure, ce qui n'est pas le cas normalement, parce qu'il doit être beaucoup plus petit. Et donc, toute cette grosse boule, là, ça va être l'ovaire. Donc là, on vient de rentrer, on va se repérer, on part vers l'avant, et là, on a le rein derrière sa capsule qu'on ne voit pas, l'estomac au fond, et on voit qu'on ne voit pas du tout la rate. En fait, le côlon est entrapé, mais là, c'est une autre partie du côlon, c'est le petit côlon, reconnaissable à sa grande bande ici. Donc pour l'instant, on ne voit pas du tout la rate. On va dilater l'abdomen avec du gaz et on va voir la rate gentiment qui va apparaître devant vos yeux. Voilà, vous voyez la languette noire qui apparaît, donc c'est la rate au fur et à mesure que l'abdomen se gonfle et que donc les intestins sont forcés à descendre. On voit aussi sur l'estomac des petites traces blanches qui sont des signes de péritonite, hein, donc ça veut dire que c'est une zone qui est souvent sollicitée, alors que c'est une zone qui doit être complètement vide normalement. On va essayer de faire descendre pour avoir accès à la rate. On va fermer l'espace. On a notre côlon ténué qui est parti complètement, donc on a un bon accès, on est en train de rentrer des instruments, et on s'aperçoit que la rate est très très petite, pas dans le sens de la largeur, mais dans le sens de la longueur. Elle ne va même pas jusqu'au bord caudal du rein, donc ça veut dire que c'est une rate qui est un petit peu anormal, ce qui confirme notre palpation et notre échographie. On avait beaucoup de mal à la voir. Normalement, elle devrait venir voilà, jusqu'ici, d'accord? On a fait trois trous dans le flanc du cheval par lesquels on a passé trois canules qui vont nous permettre d'avoir, un, la caméra et deux, instruments de portal, donc des portes pour les instruments. Et on a rentré le fil, qui est un fil spécial, donc cranté, barbed wire, qui va s'auto-accrocher sur les organes et qui donc ne va pas revenir en arrière. Ce qui nous permet de ne pas faire un nœud à la fin, et ce qui est très pratique et fait gagner beaucoup de temps en laparoscopie. Donc là, on a bien attrapé notre aiguille, on la met bien perpendiculaire au porte-aiguille, et on va venir s'insérer dans la capsule du rein, qui est normalement un peu graisseuse. Cette jument-là n'est pas très très grosse, donc il n'y a pas beaucoup de gras, donc on voit très bien le fascia ou ligament néphrosplénique dont on a parlé tout à l'heure. Et on va de l'autre côté passer dans la rate. Là, c'est le premier bite. La rate est encore assez grosse et assez loin. Et après, on va donner un produit pour faire contracter la rate, c'est-à-dire de la phényléphrine. Et on va rapprocher tout ça. Grâce à la deuxième suture, on va commencer à vraiment tirer pour bien plaquer la rate contre le ligament néphrosplénique et donc contre le rein. On voit très très bien le passage. Et puis hop, là, notre rate qui d'elle-même hein, s'est mise comme ça pour venir nous chercher. Donc là, on est dans la dernière étape de la fermeture. On a passé notre fil dans la rate. On tire bien pour qu'on soit un petit peu le plus loin possible. La suture s'ancre dans la rate. Et puis, on va aller chercher un autre instrument laparoscopique, donc une paire de ciseaux. Et puis, on va découper le fil. Et donc, on n'effectue pas de nœud à la fin, ce qui fait gagner un temps phénoménal. Évidemment, un cheval, il préférera une opération qui dure une demi-heure comparé à une opération qui va durer 3 heures. Donc, plus vite on va, mieux c'est.
Le cheval aussi a l'abdomen distendu avec du gaz, hein, donc ça peut être éprouvant. Il y a du CO2 qui va passer aussi dans la circulation. Et donc il faut évidemment minimiser le temps de chirurgie au maximum. Le risque d'infection, là, est très faible parce que vous avez vu, on rentre par des tout petits trous. Donc personnellement, j'ai jamais eu d'infection. Ça peut toujours arriver, hein, mais le risque est extrêmement minimisé.